Si vous arrivez en train à Rotterdam, vous serez d'emblée surpris par l'architecture de la gare, de la Central Station, qui est surnommée le Shark, le requin. Et vous comprenez pourquoi. Bienvenue à Rotterdam, la ville de l'architecture. Vous découvrez ici le Markthal. Voilà, ce sont des appartements au-dessus d'un marché. Marché de produits frais à Rotterdam, qui est tellement grand qu'il ne rentre pas dans l'objectif. Juste en face du Markthal, vous découvrirez le fameux village cubique. Voilà. Ils appellent ça des arbres cubiques avec des appartements qui sont au-dessus. Alors je me demande bien comment ils peuvent vivre dedans, vu la forme des appartes. Mais je vais essayer de visiter, voir si je peux rentrer pour découvrir le village cubique. Et comme vous pouvez le voir, les gens vivent véritablement à l'intérieur. Alors c'est une question qu'on se pose. Je demande comment tiennent les meubles. Je vais essayer de trouver une petite entrée. Alors j'ai pu rentrer et voilà, alors à l'intérieur on voit pas tellement la sympa par les escaliers hein, si vous êtes handicapé c'est compliqué, mais voilà, alors les recoins, alors, on peut y vivre aisément. Magnifique. Très curieux mais très joli. Voilà, c'est curieux mais vraiment très joli. Hein. Vous voyez, les gens sont passionnés d'art, comme tous les Hollandais. Beaucoup de collections. Voilà, une bien belle statuette. Et là, la chambre à coucher. Voilà. Chambre à coucher comme toutes les autres. Hein. Sauf les formes des plafonds et des fenêtres, bien sûr. Un petit peu curieuse. Alors évidemment les escaliers sont très étroits, il ne faut pas être handicapé ou âgé. Et le troisième étage, alors, vraiment magnifique. Petit salon avec des fenêtres partout. Des plantes, hein. Alors, j'aime bien les plantes. Ici, il ne faut pas être grand, mais voilà. En tout cas, une bien belle visite. Merci, madame. Les quais de la Seine à Rotterdam. Alors c'est plutôt la Meuse. Très large, très grand, très spacieux.
avec au fond le pont blanc qu'ils appellent le Cygne. Thank you.